Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale pour vous informer que ça y est, le site web est en ligne. Donc vous pouvez accéder au site officiel de la chaîne sur www.upln.fr. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui je vais mettre évidemment le lien de la chaîne dans la vidéo. Vous le retrouverez en commentaire, mais pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aussi récupérer donc à l'ancienne adresse upln.16mb.com, c'était l'adresse de chez Hostinger. Vous avez ici un lien de redirection. Et vraiment, si vous ne trouvez pas, vous avez ici au niveau de la chaîne YouTube à droite le lien vers le site web qui vous permettra en fait d'accéder à la chaîne. Alors je vous la présente très brièvement parce que je pense que ça coule de source, c'est un site internet. Alors j'espère que le design vous plaira, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like sur la vidéo, comme ça je serai que ça vous plaît. Et ici vous avez donc une page d'accueil, alors avec un contenu qui risque de bouger, mais là c'est pour le lancement, donc j'ai fait une petite présentation d'Unity, pardon, très rapide. Vous avez ici en dessous des articles, des widgets pour pouvoir partager les pages et les sites. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Au plus il y aura de monde sur le site, au mieux ce sera. Donc je compte sur vous. Ici vous avez donc les catégories news et tutoriels qu'on peut retrouver ici. Donc c'est ce qui va être intéressant parce que maintenant vous allez retrouver en fait les codes sources dans la rubrique tutoriel vidéo. Vous aurez une présentation de la vidéo qui va être sur YouTube, toujours sur la chaîne comme avant. Donc vous pourrez la visionner du site et vous pourrez aussi récupérer le code source. J'essaierai de le mettre à chaque fois. Alors tant que c'est pas trop gros, ça devrait pas poser de problème. Et aussi au niveau donc de la page d'accueil, dans le bas vous avez ici les derniers tutoriels qui vont tourner ici en boucle avec un petit résumé quand on passe dessus, les derniers articles et ici les catégories. Et vous avez un champ de recherche ici en haut à gauche avec des liens vers la chaîne YouTube et Facebook. Et voilà, donc pas grand chose à dire là-dessus sur la page d'accueil. Ici les formations qui vont être accessibles. Alors là j'ai fait quelque chose d'un peu spécial, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai mis un tarif promotionnel pour toutes les formations assez intéressant. Pour ceux que ça intéresse, allez voir ici dans la page formation. Alors on va aller voir ensuite. Alors je vous montre brièvement comment ça se fonctionne dans la rubrique tutoriel. Donc vous avez ici les derniers tutos. Alors j'en ai mis que 3 parce que je vais pas remonter trop loin, mais à chaque fois maintenant vous les aurez, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors ici vous allez sur par exemple le dernier tuto que j'ai fait avec BB8, vous avez ici un lien vers la vidéo et ici vous pouvez voir que vous avez le script en téléchargement. Donc n'hésitez pas à partager tout ça, vous voyez que vous avez des liens. Alors ensuite dans la rubrique news, ça va être la même chose, enfin c'est des articles qui correspondent un petit peu à Unity. Là j'ai fait 2 articles de news, hein, si ça vous intéresse. Souvent on me demande où trouver la bêta par exemple, ici j'ai fait un article sur la nouvelle bêta. Et vous allez pouvoir la télécharger directement sur ce lien. Et vous avez ici quelques infos concernant la bêta. Donc ça peut être assez intéressant. Donc la partie formation qu'on peut retrouver ici avec actuellement toutes les formations en super promo. Donc j'espère que, je sais pas combien de temps ça va durer, à mon avis pas longtemps. En fait c'est en fonction du nombre de personnes qui achètent. Des coupons de réduction qui vous permettent en fait de bénéficier de ces tarifs. Vous pouvez voir que sinon c'est 120€, là on passe à 15. Et la nouvelle qui arrive bientôt ici si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. La partie aussi très intéressante, ça va être le forum. Donc ici vous avez 3 forums, demande d'aide, lien et ressources et vos créations, vos projets. Donc la demande d'aide, je pense qu'elle va être assez intéressante parce que je vois que beaucoup se posent des questions et dialoguent par le biais de la chaîne YouTube. C'est pas terrible, hein, c'est pas très optimisé et c'est pas évident à s'y retrouver. Donc ici vous avez carrément du coup un forum dédié. Alors pour le moment il y a juste la charte que j'ai postée. Mais allez-y, hein, n'hésitez pas à poser vos questions et on verra. Donc au début ça risque peut-être d'être un petit peu lent en termes de réponse parce qu'on va tous, ça démarre. Mais je compte sur vous en tout cas. Donc évidemment il faut s'enregistrer. D'ailleurs pour la partie tutoriel vidéo vous allez devoir vous enregistrer aussi pour récupérer les codes sources. Alors pour s'enregistrer c'est simple, zone membre, login. Moi ici je suis déjà logué, donc vous allez dans register, vous avez des champs à renseigner, vous les renseignez. Vous validez, vous recevez un mail avec un mot de passe complexe, temporaire, mais une fois que vous l'avez fait, vous pouvez ensuite vous loguer et retourner sur votre profil ici, mon profil, et vous pouvez éditer ou changer le mot de passe. Donc ça peut être assez intéressant parce que le mot de passe est généré aléatoirement et avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux un peu complexes à retenir.
Voilà, donc bah, pas grand chose d'autre à dire. Un formulaire de contact si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à utiliser ici. Si vous avez des questions, si vous avez des news, enfin n'hésitez pas, des problèmes, pourquoi pas, vous me contactez aussi. Des problèmes techniques évidemment. Ici, au niveau de l'accueil, je vous ai pas dit, mais vous pouvez voir que vous avez les liens directs vers les forums ici. Donc j'ai besoin d'aide, liens ressources, voilà. Et ici les sujets populaires, les sujets sans réponse du forum. Donc là pour le moment ça va pas fonctionner, il n'y a pas de sujet, si je clique dessus je vais arriver sur le forum, le plus populaire c'est le mien, évidemment, mais ici il est jaune parce qu'il est bloqué, hein. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas modifier, qu'on ne pourra pas modifier, qui va rester en haut de page. Donc voilà, bah, je tenais à vous donner l'info, j'espère en tout cas que ce site va être utile, en tout cas moi je le pense, parce que c'est vrai que ne serait-ce qu'au niveau du forum et la mise à disposition des scripts, c'est quelque chose qui m'est demandé très souvent, c'était très compliqué à faire avant. Le site était hébergé chez Hostinger et chez Hostinger, les transferts de fichiers FTP marchaient très mal. Alors on m'a dit oui, je sais pas, est-ce que c'est lié à moi ou pas, mais en tout cas moi j'ai eu beaucoup de problèmes et j'utilise plus du tout Hostinger ou les sites gratuits. Là on est hébergé chez un professionnel, c'est un abonnement entrée de gamme mais qui devrait suffire en tout cas dans un premier temps, et on verra bien par la suite. En tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner évidemment et surtout allez vous inscrire ici sur le site pour pouvoir accéder au script et au forum et à toutes les infos. Évidemment ce site va encore évoluer, hein. Là on est sur une base on va dire et je vais encore ajouter des fonctionnalités et autres, mais ça nous permet déjà de travailler. Le plus urgent pour moi était quand même le forum et d'avoir une partie tuto vidéo pour pouvoir vous fournir les scripts, chose qui est demandée assez fréquemment. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire, que ce soit sur la chaîne YouTube ou pourquoi pas ici au niveau des forums, enfin n'hésitez pas, enfin le forum n'a pas été créé, j'aurais pu dire votre avis, créer un forum, votre avis, vous présenter, donc n'utilisez pas les forums, c'est vrai que ça ne correspondrait pas, mais en tout cas si vous avez des idées de thèmes de forum, vous voyez que ça manque, n'hésitez pas, envoyez-moi ça par le formulaire contact, j'essaierai de les introduire, si vous trouvez que un thème pour le forum aurait un intérêt. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, parce que là c'était pas un tuto, pour une prochaine vidéo de tuto, et bye bye. Et surtout, abonnez-vous et un petit pouce bleu.